to the end of a one-way street. Wish I could wake up, but it's not a dream. Staring at the wall right in front of me. Oh, 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 oh. Need to get away, I can stay right here. Every day I'm wishing that you weren't near. I cannot pretend that I do not care. Oh, oh. I keep asking why. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui nous avons Monsieur Elias à la maison pour 7 jours, sa classe est fermée pour cas Covid. Donc ça m'étonnerait qu'Elias ait des symptômes du Covid ou qu'il attrape le Covid tout simplement parce qu'il a déjà eu le Covid cet été. Donc je pense qu'il a de bonnes immunités pour pas l'attraper de nouveau. Donc d'ici 7 jours s'il a pas de symptômes, il pourra retourner à l'école. En attendant on a reçu du travail de sa maîtresse, il a des petites fiches à faire. Segmentation des mots en syllabes, là actuellement il est en train de faire ça. Mais voilà, on a un petit peu de travail. Puis nous on s'était rééquipé en cahier d'activité, cahier de travail. Notamment il y a une marque que j'apprécie énormément, c'est la marque Tout Simplement, je vous montre ça juste après. Ça fait déjà plusieurs fois qu'on les achète et ils sont top. On les avait déjà pour la petite section, la moyenne section, pour la grande section. On a pris aussi un peu de CP, à chaque fois on essaie de prendre un peu d'avance avec Elias. Vous savez Elias a des difficultés dans le langage, mais il s'est nettement amélioré. Ah mon chéri, tu t'as beaucoup progressé, c'est super hein. Maintenant on comprend tout ce qu'il dit. Il y a quelques mots sur lesquels il bute encore, mais franchement, il s'est énormément amélioré. La progression est vraiment flagrante. Je suis très très fière de lui parce qu'il a fait beaucoup de progrès et franchement, c'est génial. Là, l'idée, c'est que nous, en fait, on essaie d'avancer, de prendre à chaque fois un peu d'avance. En tout cas, de voir les choses, même si c'est pas forcément acquis avec nous, il pourra faire les acquis à l'école. Mais le but, c'est qu'il se dise que voilà, il a déjà vu ça avec papa et maman. Ça va le donner en confiance pour participer en classe, à savoir qu'Elias, c'est un petit garçon qui est extrêmement timide, qu'il a du mal à participer, tout ça. En fait c'est à cause des soucis de langage quand il était petit, du coup il avait du mal à participer en classe, ça l'a rendu très timide. Mais là ça se débloque hein. Il est de plus en plus je vois à l'école, il va plus vers les autres tout ça là ces derniers temps. Et aujourd'hui en plus de ça on va l'inscrire où Elias? On s'inscrit où? Au foot. On va l'inscrire au foot là en début d'après-midi, donc il est trop content. Ça va beaucoup l'aider aussi à s'épanouir et à aller plus vers les autres, à être moins timide. C'est fou en fait l'enfant différent qu'on a à la maison et qu'on a à l'école. C'est un petit garçon qui est hyper renfermé, hyper timide à l'école avec les autres. Et à la maison c'est une boule d'énergie, hein. On a du mal à le canaliser ce petit garçon. Il faut toujours des activités, des choses. D'ailleurs je vous ai dit que la dernière fois on limitait drastiquement les écrans. Hein, je vous en ai parlé dans le vlog précédent, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je vais vous dire un petit peu ce qu'il en est. En fait, on a créé dans la pièce de vie une étagère bibliothèque avec des jeux, donc notamment de la marque Smart Game. C'est plein de petits casse-têtes, tout ça, c'est génial. On a mis plein d'autres choses, enfin bref, pour l'instant j'ai pas encore pu équiper complètement, mais l'idée c'est qu'il ait des activités, qu'on ait des activités à lui proposer dans la pièce de vie, parce qu'Elias, quand il joue tout seul dans sa chambre, il y va, hein. Mais parfois il nous dit je m'ennuie, il veut qu'on monte avec lui, et nous on n'est pas forcément toujours disponible pour jouer avec lui, même si on fait pas mal d'activités avec lui, on n'est pas toujours disponible. En plus maintenant il a un petit frère, donc le temps que je fasse les tétés, tout ça, je peux pas toujours être avec lui. Donc l'idée c'est de pouvoir lui proposer des activités à disposition dans la pièce de vie, qu'il puisse s'installer sur la table de salon et faire ses petites activités. Et en plus ça fait travailler son cerveau, sa mémoire, je trouve ça vraiment génial, c'est vraiment quelque chose qui va vraiment stimuler l'enfant. Donc c'est chouette et il n'a pas vraiment l'impression finalement de travailler avec les casse-têtes, c'est des jeux en fait. Donc je trouve ça trop trop bien, franchement il a bien accroché, donc ça c'est génial. Je vais y mettre des pots de crayon, de la peinture, des gommettes, enfin plein de choses pour qu'il puisse s'occuper et ne pas réclamer la télé ou la console. Donc là on a limité à 30 minutes par jour, hein. Avant il avait plus d'une heure, même une heure et demie par jour, donc là c'est vraiment bien limité. Et j'espère qu'à terme il acceptera, enfin il oubliera complètement les écrans de toute la journée, ça serait chouette. Qu'on pourra faire regarder par exemple un dessin animé le mercredi, jouer un peu à la console le week-end, mais voilà, en tout cas en semaine pendant les
pendant l'école, qu'on puisse oublier du coup les écrans complètement, ça serait parfait. Je pense que du coup on s'est pas mal documenté, il y a eu pas mal de documents qui ont été fournis par l'école sur les écrans, ça a fait prendre conscience quand même de plein de choses, donc voilà. Un petit peu tout ça. Je montre tout de suite ma petite armoire du coup. On a fait un truc un peu deux en un. En fait, chez Ikea, on a trouvé un meuble. On cherchait un meuble d'entrée. C'est vrai qu'on a une grande pièce de vie ici. Mais il n'y a pas d'entrée délimitée. En fait, on rentre directement dans la pièce de vie. Et je voulais absolument du coup un meuble où on puisse à la fois ranger des choses pour Elias. Et également un côté où ranger les manteaux, les chaussures, les clés, tout ça. Enfin voilà. Du coup, on a trouvé ce meuble. Je vous le montre de suite de comment c'est organisé. Il est trop beau. Et on va pouvoir même y mettre de la décoration, tout ça. Et il suivait en fait avec le miroir que j'avais déjà. Donc pour l'entrée, c'est nickel. Alors je vous montre, il est comme ça. En fait, on a du coup cette porte qu'on peut tirer de l'autre côté pour cacher l'une ou l'autre partie. Bon, l'idée, ça va être que je vais acheter quand même des bacs pour ranger tous les jeux et que ça soit joli et pas comme ça directement à vue toutes ces couleurs. Et d'ailleurs, le poster, il est là, mais je vais pas le laisser là, hein. C'est juste qu'en ce moment, du coup, on apprend l'alphabet avec Elias et que je l'ai accroché pour qu'on puisse l'avoir à disposition pour travailler cette semaine, le temps qu'il n'a pas l'école. Donc voilà, donc il est comme ça. Je vous montre, il s'ouvre comme ça en fait. Et ici, on a pu y mettre du coup toutes les petites vestes, manteaux. Là, j'ai mis du coup un panier avec tout ce qui est clé, tout ça. Et ici, on a pu ranger du coup le sac à langer d'Ezra, les sacs d'école et mon sac à main. Voilà, tout ce qu'on utilise. En dessous, du coup, j'ai pu y mettre, on a pu y cacher les chaussures qu'on porte tous les jours. Enfin, vraiment, c'est les paires qu'on met tous les jours. Donc voilà, après j'ai un autre meuble pour les ranger. Et ici, l'idée du coup, c'est de créer l'espace d'Elias avec du coup les activités qu'on lui met à disposition. Je vous avais montré la dernière fois du coup la marque Smart Game, c'est génial. C'est vraiment des jeux de réflexion qui se jouent à un seul joueur. Donc ça, c'est bien parce que du coup, Elias n'a pas besoin de genoux pour jouer. Il peut faire ses petits casse-têtes tout seul, c'est vraiment chouette. Il y a celui-ci aussi, Bahut Malin. Franchement, ils sont géniaux, ils sont vraiment géniaux. J'ai redescendu le Click et Duke qu'il a joué avec cette semaine. On a mis des petits coloriages, mais voilà, enfin bref, c'est pas du tout fait. Il faut vraiment qu'on achète d'autres choses, que je retrie en haut ce qu'on a. Et notamment, je vous montre de suite, pareil ici, je vais acheter des jolis pots pour mettre les crayons, les feutres, tout ça. Pour l'instant, j'ai tout laissé comme ça, c'est ce que j'ai acheté là il y a quelques jours pour pouvoir faire les activités. Je vais vous montrer les petits cahiers du coup. Je vous montre mes petits cahiers chouchous qu'on achète tout le temps. C'est la marque tout simplement de la librairie des écoles. Elle est vraiment top cette marque. Vous avez pour petite section, moyenne section, grande section, CP. Enfin vraiment c'est trop chouette. Donc là par exemple pour l'écriture, voilà, vous avez du coup des pages comme ça à faire avec du coup des lignes brisées, des boucles. Vous avez aussi du coup après toutes les lettres. Regardez, vous allez apprendre à faire les lettres en lié. Donc voilà, je trouve ça vraiment chouette. Il y a plein de petits exercices avant de commencer à faire la lettre. Par exemple, là, pour pouvoir faire la boucle. Là, pour pouvoir faire le rond. Voilà. Voilà, c'est vraiment bien détaillé. Là, il peut le faire avec, du coup, les pointillés. Là, il les fait sans. Enfin, voilà, je trouve ça vraiment très, très bien fait. Et là, par exemple, on a pris CP directement puisque l'année dernière, on avait déjà fait les nombres jusqu'à 10 et Elias les connaît par cœur maintenant, donc du coup on a pris les nombres jusqu'à 100 pour avancer sur tout ça. Il sait compter jusqu'à 20 maintenant, mais il sait pas les écrire encore, donc par exemple, faudrait qu'on révise ça. On pourrait reprendre l'ancien cahier pour réviser 8 par exemple. Il n'y arrive pas trop, il est un peu compliqué le 8 à écrire, donc voilà, faudrait revoir ça. Et voilà, du coup, on a déjà pris ça pour s'avancer un petit peu et réviser et essayer de voir un petit peu ce qu'il est capable de faire. En tout cas, les maths, Elias aime beaucoup ça. À chaque fois, il prend plaisir à les faire. Il préfère plus ça que l'écriture et la lecture. Mais les nombres, à chaque fois, il passe vraiment un bon moment à les faire. Il adore. Donc voilà, on dénombre beaucoup, on prend ses petits jouets, on compte, on additionne, on soustrait. Allez, il commence à faire ça bien. Elias, il avait eu à son Noël dernier par le Père Noël. C'est ça, Elias? Ou c'était Jeff? Qui est-ce qui t'avait offert ça? J'étais pas dans ma
chambre, j'étais... Papa et maman, ils n'étaient pas dans ma chambre. Peut-être c'était Jeff. Dans ta chambre, tu penses? Alors du coup, on lui a essayé sa petite tenue de foot qui lui va parfaitement. Et on lui avait pris du coup des petits crampons qui sont en taille 28. Mais je pense que ça va aller du coup. On avait fait exprès de prendre des tailles au-dessus parce qu'on savait qu'Elias ne pouvait pas faire du foot maintenant, déjà avec la situation sanitaire. Et en plus, il n'avait pas l'âge. Maintenant, il a quel âge, Elias? 5 ans. Est-ce que tu es un grand garçon du coup? Oui. Oui, t'es un grand garçon? Mais je mets du 6 ans. Tu mets du 6 ans, c'est vrai. Mais moi, j'ai 5 ans. Mais t'as 5 ans, ouais. Ça veut dire que t'es grand, alors. Oui. Et à ton petit frère qui râle. Moi, j'ai... j'ai fait du foot avec... des enfants il y a 5 ans. Et tu vas faire du foot avec des enfants qui ont 5 ans? Et tu vas courir vite comme qui? Comme... J'ai couru vite comme un papé. Comme un papé. Toi, tu aimes bien Mbappé? Bah oui. C'est oui. Qui ton joueur non. préféré? Mbappé. Est-ce que tu en connais d'autres au moins? Bah oui. Tu connais qui d'autre? Bah je connais Ronaldo. Ronaldo, ah oui, il est fort. Ça, c'est le joueur préféré à qui? À papa. Ah oui. Tu connais Pogba? Non. Romain, va falloir te le mettre à la page là, tu lui apprennes tout là. Donc là, à partir de maintenant, on est d'accord, t'as le droit qu'à 30 minutes d'écran. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut augmenter à 45 minutes, mais non, je crois pas, non. Mais attends, laisse-moi finir. 45 minutes, mais c'est que des matchs de football qu'on a le droit de regarder. Donc ça veut dire que t'as le droit de regarder une mi-temps entière. D'accord de regarder des matchs de foot? Ok. Bon, après, une fois de temps en temps, ça va pas le tuer non plus. On n'est pas anti-écran non plus. Mais il pourra regarder un match de foot avec son papa, bien sûr. Faut pas abuser. Regardez-moi ce bébé qui râle. Hein? Il essaye de se tourner, là. Il est hyper... il est hyper vif, ce bébé. Des fois, on le retrouve sur le ventre. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? T'as mal aux petites dents? T'as mal aux petites dents? Tu te manges de partout? Hein? Mmh. Comme vous pouvez le voir, on a retiré la piscine parce que comme on est parti 10 jours, on est remonté dans le nord, l'eau serait devenue toute verte. Du coup, ça laisse pas mal d'espace à Elias pour pouvoir jouer un peu au foot. On a acheté un petit but comme ça gonflable qu'on prenait pour aller à la plage. Et c'est parti, il faut essayer les crampons. Hein. Les premiers crampons de Elias. Oh là là, le dribble, passement de jambes, célébration, salto. Wow! On a un futur grand champion. Il s'entraîne plus pour la célébration que pour marquer des buts. Et futur ballon d'or. Oh, c'est tout bon. Romain a bien été inscrire Elias au foot. Il est trop impatient, il a trop hâte, il est trop content. C'est tous les mercredis et une fois sur deux le samedi. Donc il est trop heureux. Ça faisait tellement longtemps qu'il attendait ça, de s'inscrire, et Romain de l'accompagner, de vivre ce moment-là avec son petit garçon. Donc voilà, c'est trop chouette. En plus, le mercredi, c'est trop bien parce que c'est de 13h à 15h, ce qui fait qu'on sera pas en retard pour l'orthophoniste aller à La Ciotat. Pour rappel, comme maintenant, on est sur Avignon, on a 1h, un quart de route. Donc pour le moment, on n'a pas trouvé d'autres orthophonistes, ils sont tous sur liste d'attente. Donc on continue d'aller sur La Ciotat pour continuer les séances de Elias. Et du coup, ça ira nickel, comme en début d'après-midi, il aura foot et après on prendra la route direction l'orthophonie. Ça sera un mercredi très intense dans l'après-midi, mais ça ira, ça sera chouette. Un petit shooting à Ezra, c'est le bazar partout. On a fait le carnage là dans la chambre pour faire le shooting. Regardez, il est trop beau, il s'est endormi. Trop mignon. On vient de corriger les petites photos de Ezra. Regardez comment il se tourne. Il se tourne de droite à gauche. Là, il est en train de relever sa tête. Il touche ses pieds. Hein? Tout pile 3 mois et ça fait déjà des galipettes. Des fois, on le retrouve sur le ventre. Il fait déjà des roulés-boulés. Il est impressionnant, ce petit. Impressionnant, ce petit garçon. Ah oui, c'est vrai. Coucou tout le monde, je vous reprends le lendemain matin. Elias est en train de faire un coloriage magique sur le thème de l'alphabet, donc plutôt intéressant pour apprendre correctement son alphabet.
avec les lettres majuscules, minuscules, liées, script, voilà, c'est top. C'est ça, c'est syllabe magique. Et là, du coup, le début, c'est les lettres A, E, I, O, U, Y, c'est les voyelles. Donc, il doit colorier les voyelles. Voilà, c'est top, hein? T'aimes bien? Autant habituellement on arrive à super bien faire travailler Elias, enfin lui faire une petite page de temps en temps pendant les vacances, mais là cette semaine elle est horrible. Il veut pas du tout travailler, il a pas du tout envie, c'est des pleurs, il râle. C'est très compliqué parce que nous on doit aussi avancer sur le travail qu'on a à la maison. Entre Ezra et tout, du coup c'est vrai que c'est pas mal compliqué parce qu'il il attire toute l'attention sur lui, une boule d'énergie. Et voilà, il a vraiment du mal à se canaliser et il n'a pas du tout envie de travailler. J'essaie de toutes les choses au monde pour l'aider, pour essayer de le motiver, mais il n'y a rien à faire. Cette semaine est compliquée. Allez, il faut être à côté de lui, sinon monsieur, ça déborde vite en n'importe quoi. Si on n'est pas à côté de lui, regardez là, la ligne à côté de lui, elle est nickel. Et là, quand on n'est pas à côté de lui, il ne s'applique plus. Allez. Tu boudes? Fini. Fini? C'est bien. Le prochain exercice, c'est toute la page, mon cœur. C'est celui-ci maintenant. Les petits cerfs-volants. Là. You. En dessous? En dessous, les cerfs-volants. Là. Yo. Oui? Allez. J'ai fait. Tu l'as fait? Non, tu l'as pas fait. Tu l'as pas fait, Elias? Oh. Ah oui, il l'a fait, j'avais pas vu. Il a utilisé un crayon vert, du coup on voyait pas bien. C'est bon, t'as enfin fini cette page au bout de toute la matinée. Une minute. Regardez son coloriage magique. Il avance pas, il a pas avancé. Mais bon, on aura au moins fait ça. Et là tu rigoles, hein? Alors que depuis tout à l'heure tu râles et tu pleures. C'est qui le plus grand des coquins? Moi. Bah oui. Tu vas travailler? Oui. Promis? Oui. C'est important de travailler. D'accord? Oui. Meilleur. Un papy c'est meilleur. Un papy c'est meilleur. Eh? Un papy c'est meilleur. Ça va le perroquet? Un papy c'est meilleur. Elias, je suis épuisée. Tu sais que tu m'as épuisée aujourd'hui. Oui. T'as pas été sage aujourd'hui, hein? Un petit peu. Un petit peu sage, t'es sûre? Regarde. Moi, je suis pas très sûre. Hein. Romain est allé acheter quelques équipements pour Elia chez Decathlon. On lui a pris une gourde comme ça, un petit sac pour ses affaires de foot. Il est en petit format, donc il est très très pratique. Il a acheté aussi des choses pour lui faire des entraînements, des cônes comme ça. Avec des barres et tout, enfin bref, il vous montrera, moi j'y connais rien. Il a pris des plots aussi comme ça, il veut lui faire des entraînements pour l'aider à progresser, puis partager des petits moments comme ça d'entraînement avec lui. Donc voilà, et on va commander sur internet, il veut lui prendre le maillot de Manchester United et du Real Madrid. Romain aime beaucoup le Real Madrid, donc du coup il va lui prendre ça. Et lui prendre une autre paire de crampons, des chaussettes, des tibias. Voilà, comme ça il aura tout ce qu'il faut pour le sport. Ça sera parfait. Enfin bref, cette journée était assez rude parce qu'Elias a été un peu compliqué. C'est pas évident, ces confinements à répétition, hein, ces isolements, tout ça. Enfin même si là je doute que cet isolement serve à quelque chose. Donc voilà, c'est vraiment spécial puisqu'Elias a déjà eu le Covid, il a été en cas contact avec une élève de sa classe, mais bon, bref, je doute que ça serve à quelque chose puisque lui l'a déjà eu, mais bon, j'en ai marre et ça me saoule de parler Covid, franchement, c'est ce truc, ça me prend vraiment la tête, ça va faire 2 ans que ça dure, c'est fatigant. Enfin voilà, c'est vrai que ça a été une journée un peu compliquée parce qu'en plus on est en plein sevrage d'écran également. Donc Elias, il a du mal à s'occuper, encore plus là sans l'école. Donc voilà, c'est vrai qu'en plus, il n'a même pas voulu trop faire ses exercices d'école. J'ai vraiment galéré, parce que vraiment, il râlait tout ça.
C'est rare hein, qu'Elias est compliqué, mais là, ça fait 2 jours où c'est un peu rude. Mais bon, ça va passer, c'est une journée comme ça et on verra demain comment ça se passe. En tout cas, j'espère que ce vlog vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Et on se dit à très bientôt. Ciao, ciao. Story.